Nous arrivons circonscrit du feu à qui contrôle la situation, éviter la propagation et que tout cas dans notre zone été exposé, je dis à eux sous contrôle. Deuxième mot, c'est remercier les pompiers de la ville par la suite que nous avons fait une intervention 5 minutes après, qui est venu dans un backup parce que nous avons une capacité suffisante pour nous limiter la propagation du feu à dans le périmètre que ces techniciens ont défini comme périmètre sensible. Je dis qu'on a la situation sous contrôle. Troisième mot, c'est remercier le président Jovenel qui rapidement relève nous avec le président Yuri Latortu. Le président Jovenel voulait l'autre backup pour nous pour faciliter le contrôle de la situation. Et le président Yuri qui était relève nous tout, le ministre intérieur. Moi, je suis vraiment content par rapport à ce qui s'est passé. La capacité de réaction était au rendez-vous. La sécurité publique là avec nous qui facilitait le contrôle de la situation. Toujours dit, ça n'a pas aucune possibilité pour l'État performant, pour l'efficace. Ce n'est pas une coordination dans différentes entités de l'État. Je dis à ce qui s'est passé qu'à fois, et réaction et rapide qui fait là, montrer quelques possibilités pour débattre. Qui vous faites. Par contre, nous allons aller connaître sur ça qui passe là de manière spécifique. C'est un entrepôt qui prend gaz, qui gère gaz, qui distribue gaz, qui a déposé dans la station à essence sur l'ensemble du territoire. Là. C'est un espace que depuis le président intérimaire, sous le président Martelly, nous sommes intervenus déjà là pour nous faire contrôler la situation et nous faire recommandation pour faire un tuyau. C'est un espace qui était quasiment inaccessible. Malheureusement, je n'ai personne aujourd'hui pour nous poser une question tout le temps aller. Et là, ce mariage est une véritable préoccupation pour nous, un véritable danger aux populations. Nous prenons une décision avec le juge de paix. Provisoirement, nous interdisons l'accès à ce site-là. Le temps que le ministère intérieur, le ministère de sécurité publique, le ministère de commerce et mairie décident si l'activité va continuer. Et si elle continue, il faut faire avec des garanties de sécurité pour l'environnement immédiat, pas vraiment menacé. Gagner une compagnie qui emploie presque 2600 mouna. Si pompiers pas quittent la 6 minutes après, je dis à tout taboulé, sous simple négligence, parce que l'État est faible. Moi, je pense que c'est important. Réaction, président Jovenel, sous question, voulait dire pour nous que nous allons continuer de travailler pour nous doter Carrefour de capacité communion en général sur l'ensemble du territoire, de capacité d'opération, d'intervention pour les populations. Parce que je dis à ce véritable menace pour le pays. Tout côté dans la rue Port-au-Prince, dans la rue Carrefour, Pétionville, Cité Soleil, Delma, Tabar, Croix des Bouquets, ces stations propane, ces points de vente de commercialisation de gaz propane, véritable danger aux populations. Pas gagner des mesures de sécurité qui garantissent la sécurité, la vie, sécurité, bien population. Nous arrivons circonscrit du feu à qui contrôle la situation, éviter la propagation et que tout cas dans notre zone été exposé, je dis à eux sous contrôle. Deuxième mot, c'est
remercier les pompiers de la ville. Par la suite, que nous avons fait une intervention 5 minutes après, qui est venu nous backup parce que nous avons une capacité suffisante pour nous limiter la propagation du feu dans le périmètre que ces techniciens ont défini comme périmètre sensible. Je dis qu'on a la situation sous contrôle. Troisième mot, c'est remercier le président Jovenel qui rapidement relayé nous avec le président Yuri Latortue. Le président Jovenel voué l'autre backup pour nous pour faciliter qu'on contrôle la situation. Et le président Yuri qui était relayé nous tout, le ministre intérieur. Je suis vraiment content par rapport à ce qui passe. La capacité de réaction était au rendez-vous. Sécurité publique là avec nous qui facilite qu'on contrôle la situation. Toujours dit ça, pas aucune possibilité pour l'État performant, pour l'efficace, ce n'est pas une coordination dans différentes entités de l'État. Je veux dire que ça passe qu'à fois et réaction et rapide qui fait là, montrer qu'il y a une possibilité pour débattre avec vous faites. Par contre, nous allons aller qu'on sur. Sur ça qui passe là de manière spécifique. C'est un entrepôt qui prend gaz, qui gère gaz, qui distribue gaz, qui a déposé dans la station à essence sur l'ensemble du territoire. C'est un espace que depuis le temps de l'agent intérimaire, sous le président Martelly, nous sommes intervenus déjà là pour nous faire contrôler la situation et nous faire recommandations pour faire un tuyau. C'est un espace qui était quasiment inaccessible. Malheureusement, je n'ai une personne aujourd'hui pour nous poser une question tout le temps aller. Et là, ce mariage est une véritable préoccupation pour nous, un véritable danger aux populations. Nous prenons décision avec juge de paix. Provisoirement, nous interdit accès à ce site-là. Le temps que le ministère intérieur, le ministère de la sécurité publique, le ministère de commerce et mairie décident si l'activité va continuer. Et si elle continue, il faut faire avec des garanties de sécurité pour l'environnement immédiat, pas vraiment menacé. Gagner une compagnie qui emploie presque 2600 personnes. Si les pompiers ne sont pas quittés dans la 6 minutes après, je dis à tout a brûlé. Son simple négligence parce que l'État faible. Moi, je pense que c'est important. Réaction, le président Jovenel, sous question, voulait dire pour nous que nous allons continuer de travailler pour nous doter Carrefour de capacité communion en général sur l'ensemble du territoire, de capacité d'opération, d'intervention pour les populations. Hein, parce que je dis, c'est une véritable menace pour le pays. Tout côté dans la rue Port-au-Prince, dans la rue Carrefour, Pétionville, Cité Soleil, Delma, Tabar, Croix des Bouquets, ces stations propane, ces points de vente de commercialisation de gaz propane, véritable danger aux populations. Par des mesures de sécurité qui garantissent la sécurité, la vie, sécurité, bien population. Nous arrivons circonscrits du feu à contrôler la situation, éviter la propagation et que tout cas dans notre acte exposé, je dis à eux sous contrôle. Deuxième mot, c'est remercier les pompiers de la ville. Par la suite, que nous avons fait une intervention 5 minutes après, qui est venu nous backup parce que nous avons une capacité suffisante pour nous limiter la propagation du feu à dans le périmètre que ces techniciens ont défini comme périmètre sensible. Je dis qu'on a la situation sous contrôle. Troisième mot, c'est remercier le président Jovenel qui rapidement relayé nous avec le président Yuri Latortue
le président Jovenel voué l'autre backup pour nous pour faciliter que nous contrôle la situation. Et le président Yuri qui était relé nous tout, le ministre intérieur, je suis vraiment content par rapport à ce qui passe. La capacité de réaction était au rendez-vous. Sécurité publique là avec nous qui facilite que nous contrôle la situation. Toujours dit ça, pas aucune possibilité pour l'État performant, pour l'efficace, ce n'est pas une coordination dans différentes entités de l'État. Je dis que ça passe qu'à fois et réaction et rapide qui fait là, montrer quelques possibilités pour débattre qui vous faites. Par contre, nous allons aller sur ça qui passe là de manière spécifique. C'est un entrepôt qui prend gaz, qui gère gaz, qui distribue gaz, qui a déposé dans la station à essence sur l'ensemble du territoire. C'est un espace que depuis le agent intérimaire, le président Martelly, nous avons intervenu déjà là pour nous faire contrôler la situation et nous faire recommandation pour faire tuer. C'est un espace qui était quasiment inaccessible. Malheureusement, je n'ai une personne aujourd'hui pour nous poser une question tout le temps aller. Et là, ce mariage est une véritable préoccupation pour nous, un véritable danger aux populations. Nous prenons une décision avec le juge de paix. Provisoirement, nous interdisons l'accès à ce site-là. Le temps que le ministère intérieur, le ministère de la Sécurité publique, le ministère du Commerce et la mairie ont décidé si l'activité de l'avocat continue. Et si elle continue, il faut le faire avec des garanties de sécurité pour l'environnement immédiat, pas vraiment menacé. Gagnons une compagnie qui emploie presque 2600 personnes. Si les pompiers ne sont pas là 6 minutes après, je dis à tout taboulé. Son simple négligence parce que l'État est faible. Moi, je pense que c'est important. Réaction, président Jovenel, sous question, voulait dire pour nous que nous allons continuer de travailler pour nous doter Carrefour de capacité communion en général sur l'ensemble du territoire, de capacité d'opération, d'intervention pour les populations. Hein, parce que je dis, c'est une véritable menace pour le pays. Tout côté dans la rue Port-au-Prince, dans la rue Carrefour, Pétionville, Cité Soleil, Delma, Tabar, Croix des Bouquets, ces stations propane, ces points de vente de commercialisation de gaz propane, véritable danger aux populations. Pas gagner des mesures de sécurité qui garantissent la vie, sécurité bien population.